Comment arriver à bout des litiges fonciers en milieu urbain et rural? Quelle technique adéquate de délimitation d'espaces habitables et cultivables? Autant de questions auxquelles tentent de répondre plusieurs experts géographes. Ils y réfléchissent en ce moment même à Abidjan, à l'initiative de l'Institut de géographie tropicale, IGT. On a décidé de travailler sur notre objet d'étude qu'est l'espace et de chercher à comprendre les raisons, les germes des conflits au niveau des espaces. Et si nous comprenons et nous diagnostiquons bien les germes de conflits, nous pourrons peut-être proposer des solutions qui aideront les décideurs à prendre les bonnes décisions pour aller dans le sens de la paix et de la réconciliation. La question des conflits fonciers n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. D'autres systèmes économiques de la sous-région en pâtissent également, notamment le Togo voisin. Le Togo est un pays où l'État n'a aucune emprise sur la gestion du foncier. Et généralement, lorsque l'État ne peut pas, n'est pas impliqué dans ce processus-là, vous comprenez que les conflits deviennent des conflits récurrents. Espace et tensions en Afrique subsaharienne. C'est le thème du colloque international sur les litiges fonciers qui prend fin ce 13 novembre.